Chaoui. C'est bien lancé là en profondeur pour Martins. Martins qui rentre dans la surface, attention, Martins qui s'approche. Martins avec ce petit ballon en retrait. Et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Un but de Tabitha Chawinga, son premier but au Paris Saint-Germain, Rémi. Oui, effectivement, premier but au Paris Saint-Germain. Mais on a vu au départ de l'action Martens qui déborde, qui demande ce ballon toujours dans la verticalité. Un peu plus de mal à construire, donc elle passe beaucoup par le jeu long. Oh, l'interception d'Anaël Lemoguédé qui ouvre son pied. L'ouverture du score pour le Stade de Reims. Ouverture du score pour les Rémoises après cette incursion d'Anaël Lemoguédé qui a profité de l'erreur de la défense dijonnaise. Et Kamchik, la déviation s'est bien fait en deux temps avec la capitaine Léa Le Garec qui va tenter la frappe de loin, pourquoi pas. Et le but, le premier but de ce match. La frappe signée Léa Le Garec, elle en a souvent l'habitude. Mathieu Baloui, attention, ce ballon récupéré, petite faute sur Bamenga, mais ça va profiter, l'avantage est laissé avec Maïté Boukli, le centre de Boukli au second poteau, c'est un petit peu l'heure et le pénalty. Le pénalty, Madame Effet qui désigne le point de pénalty pour cette faute. C'est parti et ça finit au fond. Le voilà, le premier but dans cette D1 Arkema ici à domicile pour le LOSC. Julie Rabanne transforme son pénalty. Daffer toujours et cette fois c'est dégagé, mais jusqu'à Quintero. C'est un petit peu à toi, moi, là au milieu de terrain. Il va peut-être y avoir une occasion possible. La faute, et oui, la faute de Diakité, attention, parce qu'elle a déjà été avertie. Mariam Diakité, l'ivoirienne. Et finalement, si. Ça sera le deuxième carton jaune et le carton rouge pour cette équipe. Et c'est bien Julie Rabanne qui va tenter direct. Et la parade, c'est pas fini. La remise. Et la deuxième but pour cette équipe lilloise qui fait coup double avec Jesse Roux qui vient marquer, Dani Roux qui permet à Lille de mener 2-1. Contrôle de la poitrine, ouais. Tu aurais pu faire grand pont, celui-là il était magnifique, mais la bonne défense quand même, ouais. De Ketna Louise, attention parce que là,
Starova, elle n'a pas paniqué face au gros pressing d'Engele. Voilà, c'est là où je disais au deuxième ballon, on n'y est pas. On attention, est pas ouais, peut-être une grosse situation avec Faustine Robert, la frappe. Et voilà, l'ouverture du score de Faustine Robert. Ça part d'une récupération Montpellier-Rennes, d'une petite erreur au milieu de terrain de la part de l'en avant. Et c'est Faustine Robert qui vient ouvrir le score. Et c'est là justement trouver le. Guingamp est capable de renverser la situation. Oui. Donc c'est pour ça. Pour on l'a vu en première période. Cette dernière demi-heure, ça va, il va être. Oh, oh le but. Oh le corner direct. Et oh voilà. Le corner direct. Magnifique là. Et ben voilà. J'ai l'impression que c'est Marie-Le. Non. Non, c'est Desland. Ouais, c'est Océane Desland. C'est Océane Desland. Avec son pied gauche, il était rentrant. Rentrant, petit rebond avant. Changement forcé. Contraint pour Yannick Chandiou avec la sortie de Malice Mpome. Touché. A priori à la cuisse, en tout cas c'est ce qu'on a cru voir. Peut-être le ballon vers mon désir. Bien joué la frappe. Oh superbe. Magnifique. Oh elle se l'est fait toute seule. Elle est allée se le chercher toute seule. Nérilia Mondésir, ce but magnifique. Est-ce qu'on recherche un peu sur cette joueuse là. Ah ouais. Elle est capable. Elle en est capable. Quand elle. Allez, on va espérer pour elle que ça comme va. C'est aller... ça qui font mal, hein, je vous cache pas. Ah oui, oui, oui. Et encore, on n'est pas en hiver. Ils font encore plus mal en hiver, ceux-là. Ouais. Quand il fait froid. Attention, peut-être la récupération. Bien très bien. Est-ce que ce ballon va rentrer magnifique. Superbe magnifique. Magnifique. Alors là, magnifique ce que vient de faire Marie-Charlotte Léger. Elle a dribblé Marie Petitot, elle a profité. Thank you.